impatient de voir ta surprise. Mais bzz, tu peux ouvrir les yeux maintenant, oui, oui. Waouh, formidable. Un scooter des mers. Et dans mes couleurs en plus. Oh, merci beaucoup. Oh, ça alors! Ce n'est pas grave, Wiz. Il suffit de régler le démarreur. Eh bien, attention, oui, oui! Et ne conduis pas trop vite! Je serai prudent, Wiz! À très bientôt! Bonjour, Monsieur Canard Jaune! En avant, à fond! Je crois que je devine qui a fait ça. Montrez-vous, les sirènes. Hé, hey, oui, oui, il est beau ton scooter. C'est Wiz qui l'a fait pour moi. Je peux aller en mer maintenant. Et vous, que faites-vous? Oh, nous pêchons de jolies perles roses pour décorer notre maison. Notre coffre au trésor est presque plein. Tu veux nous aider, oui, oui? J'aimerais bien, mais je vais rendre visite aux pirates. Comme tu veux, amuse-toi bien. Au revoir. Je ne vois pas le bateau des pirates. Oh, et voilà. Oh oui. Ohé, oh ho, pour Zim! Monte à bord et viens jouer avec nous. Oh, je suis contente de vous revoir, les pirates. On adore votre bateau. J'imagine que la vie de pirate, c'est vraiment très amusant. Yeah, ça vous dirait de devenir des pirates juste pour aujourd'hui? Oh oui, on aimerait beaucoup. Nous sommes des pirates. Prêt à virer sur l'eau avec mon bateau. Oh. En galion, en frégate, ils chantent et se battent. C'est la vie des pirates. À toi de chanter, pirate, oui. Prêt à virer sur l'eau avec mon bateau, oh oh. En galion, en frégate, ils chantent et se battent. C'est la vie des pirates. Maintenant, es-tu prêt à apprendre la chose la plus importante pour un pirate? Oh ouais. Bien, on va lui montrer notre cri. Oh. Non, c'est trop à la oui-oui. Essaie de le faire beaucoup plus à la pirate. Ça, c'est très amusant. Alors, qu'y a-t-il d'autre à savoir sur les pirates? Eh ben voilà, c'est ça. On crie et puis on dit pièce de 8 et on fait Il y a d'autres choses à faire pour être un vrai pirate? On n'en sait pas plus. Le peu que nous savons, on l'a trouvé dans le grand livre des pirates. Mais après le chapitre du les pages ont été déchirées. Les pirates, je sais qu'ils se balancent à des cordages. Qu'ils portent un bandeau sur l'œil. Qu'ils ont souvent un perroquet sur l'épaule. C'est vrai. Et aussi, qu'ils enterrent des trésors. Ha
Ne t'agite pas trop, tu vas nous faire chavirer. Désolé, oui, oui. Nous avons une plage et nous avons une pelle. Mais nous n'avons pas de trésor. Ah-ha! Waouh! Regardez les pirates, des pièces en argent. Mais je ne vois que des cailloux. Ah, oh. Ah, ah, ça y est, je comprends. Maintenant, je vois des pièces en argent. Il ne reste plus qu'à creuser, compagnon. Mais ça va prendre des heures. Mais non, heureusement, Zim est là. Oh, 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 notre trésor est enterré. Oui, oui. Comment font les pirates pour se souvenir où ils ont enterré leur trésor? Ils font une carte au trésor. La croix indique le bon endroit. Allez, on va enterrer d'autres trésors. J'ai vu des gros coquillages là-bas qui ressemblent à de la vaisselle en or. Attendez-moi ici. Oh, regardez ça, camarade. Très gros et tout brillant. Les pirates, mais où êtes-vous? Mais où s'en vont-ils? Oh non! Les perles des sirènes! Hop là! Les pirates vont sûrement enterrer le coffre. Comment faire pour quitter cette île et les arrêter? Mon scooter est resté là-bas, trop loin pour y aller à la nage. À moins que... En avant, à fond, mon Zim. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Essayons comme ça. Ha ha! Les pirates, vous ne pouvez pas cacher les perles des sirènes. Ben, c'est trop tard, oui, oui. C'est bien d'être des pirates, mais pas de prendre les affaires des autres sans leur demander. Désolé, oui, oui, on faisait juste un peu de piraterie. Ce n'est pas grave. Si nous faisons vite, nous pourrons rapporter le coffre avant que les sirènes ne s'en aperçoivent. Merci, oui, oui. Allons-y vite, camarade. Vous avez une carte au trésor? Oui, on l'a faite. Mais on l'a enterrée aussi. Oh non! Oh, ne vous en faites pas, les pirates. Je connais quelqu'un de génial pour retrouver la trace d'un trésor. Cherche les perles, Zim. Bravo! Commence à creuser. Eh oh, oui, oui, je crois que les sirènes sont en train de revenir. Vite! Le voici. Oh! Aidez-moi, les pirates! Le coffre au trésor est plein! Ouf! On a eu chaud! Reprenons le canot et rejoignons votre bateau pirate! Il y a juste un petit problème. On a aussi enterré le canot. Vous êtes des drôles de pirates. Ha ha! Ha ha! Oh.
c'est l'heure de se lever, Zim. Allons voir ce que Mirou a préparé ce matin. Mes petits gâteaux aux framboises, ils sentent très bon. Tiens, je me fais moi-même des compliments. Ah, le coucou. C'est l'heure de sortir les gâteaux du four. Coucou. Coucou. C'est l'heure d'alterner la garde. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Oh, merci, coucou. C'est l'heure de s'assurer que tout le monde est heureux au pays des jouets. Oh, je sais ce que ce coucou me rappelle. C'est l'heure de mettre en route ma machine à faire la gelée. Bonjour, Mirou. Bonjour, oui, oui. Est-ce que tu voudrais un petit gâteau aux framboiselles? Oh, oui. Et après ça, on ira essayer mon nouveau cerf-volant. Ton cerf-volant est magnifique, oui, oui. Tiens, essaie-le, Mirou. Oui. Il y en a qui s'amusent ici. Moi, je ne me suis jamais amusée sur ce perchoir. Il est peut-être temps d'essayer. Personne ne me regrettera ici. Allons-y. Eh bien, quel appétit! Dites-moi, la mer a l'air d'être assez bonne? Un petit peu froide à mon goût. Je crois que je vais aller voir ailleurs. Ravie de vous avoir rencontré. Au revoir! Oui, oui, c'est l'heure du football pour les enfants. Déjà? Oh, excusez-moi, je comptais sur le coucou pour y penser. Tu devais venir nous chercher. On t'a attendu des heures et des heures. J'aimerais jouer au football. Mais où étais-tu? J'ai apporté le ballon. Je me demande pourquoi le coucou n'a pas chanté. Il est parti. Parti? Mais où est-il allé? Nous avons tous besoin du coucou. Venez, il faut le retrouver. Coucou! Coucou! Oh! Où es-tu, coucou? Oui! Au secours! Que se passe-t-il, monsieur Culbuto? Ma merveilleuse gelée! Elle est dure comme de la glace! Comment est-ce arrivé? Quand le coucou chante, je sais qu'il faut arrêter le refroidissement de la gelée, mais le coucou n'a pas chanté. Ne vous inquiétez pas, monsieur Culbuto. Monsieur le gendarme, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, mes chaussures, regarde.
Vos semelles sont complètement usées. Oh, dès que j'entends le coucou, je sais que ma ronde matinale dans Miniville est terminée, mais... Le coucou n'a pas chanté parce que le coucou est parti. Parti. Oh, regardez. Les soldats ont attendu si longtemps le signal du coucou pour alterner la garde qu'ils se sont endormis. Oh, mais que pouvons-nous faire à présent? Il faut retrouver notre coucou. Oh. Je crois que j'ai une idée. C'est le bon moment pour un plan à la oui-oui. Oh, oh, est-ce qu'on s'amuse par là? De terre, ça ne m'emballe pas. Je préfère en rester à mes sandwichs. Oh, bonjour. Vous aussi, vous aimez les sandwichs? Allez-y. Salut. Si nous voulons retrouver le coucou, nous devons voler comme un coucou. Escadrille, parée pour la mission coucou. 3, 2, 1, parée au décollage. On y va! Oh! Ça alors! Mais c'est merveilleux! Alors ça, ça a l'air amusant! Coucou! Par là-bas? Merci! S'il vous plaît, avez-vous vu notre coucou? Moi, je sais où il est, ton coucou! Hein? Je suis là! Coucou! On te cherche partout, au pays des jouets. Qui? Moi? Je ne savais pas que l'on me cherchait. Allez, reviens. On a besoin de toi chez nous. Besoin de moi? Oh, ça, je ne l'aurais jamais cru. Oui, oui, à l'escadrille. J'ai retrouvé le coucou. Je répète, j'ai retrouvé le coucou. Passe devant, coucou. Bravo pour avoir retrouvé le coucou, oui, oui. Mais pourquoi a-t-il quitté son emplacement habituel? Il avait juste envie de s'amuser, c'est tout. Mais que faire s'il lui prend l'idée de repartir s'amuser? Pas d'inquiétude. Je crois que je sais comment le faire rester à son poste en s'amusant quand même. Coucou! C'est l'heure de jouer à cache-cache! Cache-cache. Oh, 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 d'accord. Oh, bien. Cache-cache. 9, 10. J'arrive caché ou pas? Oh, monsieur le gendarme, je vous ai trouvé. Alors là, on s'amuse. C'est d'accord, étincelle. Tête en bas. Et on saute. Yahoo! Yahoo!
s'est accroché dans mes cheveux. Ce n'est pas très grave, Étincelle. Ne vous inquiétez pas, les filles. Vous avez encore beaucoup de temps pour vous entraîner. Je sais bien, Mirou, mais je veux que tout soit parfait dans notre ballet aquatique. Allez, viens, on recommence. C'est vrai que le saut dans l'anneau est au point, mais on a encore des tas de choses à revoir. Elles sont géniales, ces deux petites sirènes. Mon nouveau sous-marin est génial aussi, Whiz. Il me tarde de l'essayer. Encore deux ou trois réglages, oui. Oh, pardon, Whiz. Excuse-moi. S'il vous plaît, faites attention, les sirènes. L'eau et les robots ne sont pas des bons amis. Désolée. Oh, allez, viens. Excuse-moi, je suis un peu nerveuse. Tout ira bien. Fais comme si personne ne vous regardait et tu n'auras plus le trac. Bonne idée, Mirou. Prête? 1, 2, 3. Oui, on a réussi. Cette fois, c'était parfait. Recommençons tout de suite pour en être sûr. Oh oui, devant! Oh oui! Attention! On ne peut pas s'arrêter! Hey! Qu'est-ce qu'ils font là, ces pirates? Ils ne voient donc pas qu'on s'entraîne? Ah, terre en vue! Oh, disparu! Ah, la revoilà! Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec ce bateau fou? Oh, et du bateau! Yeah. Oh, et oui! Les pirates! Vous empêchez les sirènes de s'entraîner. Désolé, mais nous avons d'autres problèmes à régler d'abord. Oh, on ne peut plus arrêter le bateau. J'ai mal de mer. Arrêtez ça tout de suite. Impossible. Nous avons perdu notre ancre. Oh, vous avez déjà tout l'océan pour naviguer et vous voulez aussi notre port? Faites comme si on n'était pas là. Ne dites pas n'importe quoi. Et s'il vous plaît, arrêtez de tourner. Vous me donnez le vertige. Ils ont raison. Leur ancre a disparu. On ne peut pas montrer notre balai tant que le port est occupé par eux. Oh, Marmottine, quand je pense que nous avons travaillé si dur. Vous devriez avoir honte. Plus de balai aquatique à cause de vous. Whiz, j'ai besoin du sous-marin. Il est prêt? Oui, mais enfin, il faut encore faire un petit essai. Volontaire pour un premier essai. Allez, monte, Zim. On y va, mon petit Zim. Salut Barbotine, vous m'aidez à retrouver l'encre des pirates? Et pourquoi les aider? Ils ont perturbé notre entraînement. Ils ne l'ont pas fait exprès. Tout notre travail est gâché. Mais non, plus vite on la retrouve et plus vite vous vous entraînerez. Mais vous n'êtes pas obligées, vous êtes si brillantes toutes les deux. C'est vraiment ce que tu penses? Bien sûr que je le pense. Allez, on recherche leur encre. Tiens, mets-toi là. Oh, merci beaucoup. Oh. Oh, je suis impatient de voir le ballet aquatique des sirènes. Ah oui, moi aussi. Oh, pardon, monsieur Scarabée.
rien. Étincelle. Non, rien du tout. Oh, la voilà. Oh, elle est trop lourde. Je vais essayer. Rien à faire. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas apporter l'ancre au bateau, essayons d'amener le bateau jusqu'à l'ancre. Venez, suivez-moi. Bonjour, monsieur Scarabée. Quelle journée merveilleuse pour assister à un ballet aquatique. On a réussi. Les pirates vont être contents. Espérons-le. On n'était pas obligés. Bien sûr qu'ils seront contents. Vous pouvez remonter, vous préparer pour le ballet aquatique. C'est oui, oui. Oh oui, oui, oui. Oh oui, oui, oui. Oui, les pirates. Les sirènes m'ont aidé à retrouver l'ancre. On l'a raccrochée à la chaîne. Tu dis que les sirènes t'ont aidé? Je croyais qu'elles étaient fâchées. Elles l'étaient, mais c'est oublié. Vous devriez leur dire que vous regrettez de les avoir dérangées. On va le faire. Mais où sont-elles? Elles se préparent pour le ballet aquatique. Oh, j'adorerais voir leur ballet aquatique. Pas question de rater ça. On lève l'ancre et on met le cap sur... le port. Ouais. Le premier arrivé. Génial le sous-marin. Et la première plongée s'est passée parfaitement. Eh bien, tant mieux, oui, oui. Tous les amis du pays des jouets sont ici. Il n'y a pas assez de place. Oh, non. Encore eux. N'ayez pas peur, ils ne vont pas perturber le ballet aquatique. N'est-ce pas, les pirates? Mais non. Nous regrettons beaucoup d'avoir dérangé votre entraînement. Et merci d'avoir aidé à retrouver notre ancre. Les pirates, vous voulez bien qu'on monte sur votre bateau pour regarder le ballet aquatique? Naturellement, voyons. Et tout le plaisir sera pour nous. On est de fous. Merci. Merci. Oh, et merci à toi d'avoir sauvé notre ballet. Ah oui, oui. Tu veux participer? Qui, moi? Oui, avec joie.